Salut mes amis et bienvenue à la maison. Un truc bon, pas cher, facile à faire, au menu boulettes de bœuf. L'élément principal sera le bœuf canadien haché mi-maigre de la maison du rôti, super qualité. La viande sera mélangée avec 60 g de chapelure neutre, œufs, 2 et les épices. Sel 20 g, poivre 6 g, on pèsera après, épices, basilic sec, cumin, issou. Pour la sauce, oignon paille du Québec, ail, et le mouillement sera fait avec tomates broyées, 1 litre, et mon fond de veau, et voilà. Ce plat sera accompagné de capillini frais, et le fromage parmesan sera pour la finale, on verra plus tard. Première étape, je pèse les ingrédients. Sel, 20 g, 20 g. Poivre, 6 g. 6 g. Poivre, rejoint le sel. Basilic sec, une bonne cuillère, 3 g. Cumin, pareil, à discrétion, 5 g. Un peu dissous, 1 g 3. Bol, carne, viande, bol. Épices, comme ça, on mélange par-dessus. Bol terminé. Œuf, 2, casse, comme ça. Les coquilles pour les pinsons. Pour l'instant, la viande ira au frigidaire. Maintenant, un peu de ménage sur le fourneau. Les os du fond, les cornes comme ça. Terminé. Les os iront pour le chien. Le fond, je le passe au chinois. Je secoue un peu. Attends. Le fond ira au fond sur simmer. Comme ça. Le gros avance. Avant de façonner mes boulettes, j'ai largement le temps de commencer la sauce. Oignon, coupe comme ça, tourne en petit dé. Oignon, bol. Bol. Un dernier. Aïe, comme ça, et mince, grosso modo. Avec l'ail, chez moi, c'est pas de la réglade. Je viens du sud. Aïe, terminé, aïe, bol. Pour le couteau, c'est fini. Les oignons, je les filme, comme ça. Oignon va au frigidaire, viande sort. Là, voilà. Pour les gants, c'est pas du cinéma. La biologiste de la maison du rôti est abonnée à ma chaîne. Et on y va, et on mélange. On soulève, on tourne. La viande bien mélangée, le gant droit terminé. Cuillère manche noire numéro 30. Les cuillères avec crème glacée, c'est comme les cuillères à la pêche. Plus le chiffre est gros, plus la cuillère est petite. On racle. Ça permet d'avoir des boules régulières. On tasse bien, on racle et on y va. Mon 1 kg 3 de bœuf haché devrait me faire 37 boulettes. Vérification finale, 3 x 4, 12 et 3, 15. Et ici, 4 et 4, 8 et 4, 12 et 4, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, plus 15, 37. Maintenant, on roule Raoul, comme ça. Cette méthode est un peu longue, mais ça permet d'avoir des boules régulières. Pour le service, il n'y aura pas de jaloux. 36, 37, terminé. On passe à la cuisson. Chaudron allume. Oignon, retire le film, glace de canard, une bonne cuillère, comme ça. La graisse fond comme ça tranquillement. Oignon insère avec l'ail. Je vais les faire revenir avec une légère coloration. Bol terminé. Les oignons commencent à rissoler. Feu allume ici, avance là. Glace de canard, une bonne cuillère, comme ça. Encore une autre. On laisse chauffer. Les boulettes, je les farine un peu comme ça. Ça servira de liaison. Et ça va les empêcher de coller à la poêle. Secoue comme ça. C'est beau. Comme ça. Secoue. C'est beau. Les oignons et l'ail frémissent de bonheur. Boulettes dans la casserole. La poêle va être hyper juste. Et tout rentre. Impeccable. Comme ça un petit peu. Un beau tourne. Comme ça.
Les boulettes sont bien rissolées, feu éteint. Les oignons ont une super belle coloration. Tomates insère, eau rince, comme ça. L'araignée, boulette dans la sauce comme ça. Voilà, je la dégraisse. Je allume. Le fond revient devant. Fond déglace. Comme ça. Légère réduction. On gratte les sucres. C'est beau. Le fond dans le chaudron. À hauteur, comme ça. Le chaudron revient sur le feu. Mélange un peu. Sel. Environ 3 grammes. Poireau du moulin. C'est assez. Un peu de basilic sec, comme ça. Issou, une pointe de couteau, comme ça. Cumin, 2 pointes. 1, 2. Mélange un peu comme ça. L'ébullition est présente. Feu baisse comme ça. Médium. Et c'est parti pour une sieste d'une heure. Après 40 minutes de cuisson heure locale, les boulettes frémissent de bonheur. Elles ne sont pas encore cuites. Mon eau pour les pâtes bout. 3 litres, 6 grammes de sel. Pâte dans l'eau, comme ça. On mélange un peu. Et on en a pour 2 minutes d'ébullition. 2 minutes, c'est cuit. Vérification, impeccable. J'égoutte comme ça. Secoue un peu comme ça, dans le bol. Huile d'olive, on mélange. On roule. Et on étale, comme ça. Impeccable. Bol terminé. Comme toute viande hachée en sauce, cuisson minimum 1 heure, comme le bourguignon. Après 1 heure, c'est prêt. Chaudron au fond, poêle à l'avance. Full blast. Louche 2 onces, un peu de sauce, comme ça. Pâte avance, pâte dans la poêle, comme ça. Encore un petit peu, c'est beau. Tourne. Pour faire un peu rital, fromage parmesan, 5 grammes, comme ça. Et voilà. Tourne. C'est bon, feu éteint. Maintenant, on dresse. Pâte, tape comme ça. On soulève et on tourne. Soulève, tourne. On fait un peu de nid. Chaudron avance à table. C'est chaud. Louche 6 onces. Boulette au milieu comme ça. Extra sauce comme ça. Contrôle de la qualité. Boulette revient à table comme ça. Petit couteau noir. Les boulettes sont super cool. Très tendres. Terminé. Le rose de goûter, super bon. Décoration personnelle, branche de persil frais comme ça. Terminé. Poulet gourmand, un peu de parmesan, et voilà. Maître d'hôtel, les boulettes de viande de la table 55 sont prêtes, on enlève. Et merci à vous qui me suivez à la Bourboule et partenaire. Salut, bye. Et merci bien d'avoir suivi les vidéos. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et suivez mes réseaux sociaux. Et si vous avez des questions ou des suggestions, allez sur ma section commentaires ici. Nous avons maintenant une boutique qui est ouverte sur notre site internet pour les tabliers comme ça. Les tabliers sont faits à la maison à notre façon. Et pour la vidéo de la semaine dernière, il est ici.